Salut à tous, bienvenue à la DreamHack France 2017. Derrière la caméra, c'est Mickey, moi c'est Max. Je suis devant le Centre International des Congrès de Tours, lieu où se déroule la DreamHack depuis maintenant 3 ans. Suivez-moi, on va vous montrer comment c'est à l'intérieur. La DreamHack Tour sur Counter-Strike, en 3 mots, c'est la Dream Expo qui regroupe des stands gaming, un tournoi bio qui réunira 24 équipes du sup français comme Maxi Saucisse, Native Gaming ou Big Genius autour d'un cash prize de 10 000 euros. Et enfin, le tournoi principal qui est une des 9 étapes de la DreamHack Open sur Counter-Strike avec 8 équipes, dont G2, Envious ou Misfits. C'est d'ailleurs le plus gros tournoi jamais organisé sur notre sol, avec 100 000 $ sur la table. 10 000 personnes sont attendues par les organisateurs pour la DreamHack. Je suis avec Jean-Christophe Arnaud, le boss de la DreamHack France. Jean-Christophe, un petit mot sur cette édition 2017? Alors on est très content de le refaire une troisième année, c'est la troisième année qu'on le fait au Centre International des Congrès Vinci. Cette année on a la particularité d'accueillir une très grosse série, c'est la DreamHack Open sur Counter-Strike. On est la troisième étape après Austin et Leipzig, d'une série de 11 events qui se termineront à la DreamHack Winter. Et cette année on accueille 8 équipes de niveau international sur Counter-Strike qui se partagent 100 000 $. L'amphithéâtre a une capacité de 2000 places et accueille la finale de la DreamHack lundi à 18h. L'année dernière, c'est Dignitas qui a remporté face à Hellraiser. Cette année, nous on voit bien G2 gagner. Et vous, vous en pensez quoi ?